La face de Belvard. Un mur abrupt du sommet jusqu'en bas, une piste mythique, hors norme, complètement glacée, dure comme du béton, aussi glissante que du carrelage de salle de bain. Et fort logiquement, beaucoup sont partis à la faute. Gauthier de Tessières, 11e et meilleur français, réussit l'exploit d'être plus rapide que Miller, Mayer, Valchauffeur, tous les cadors de la vitesse. Je vais dire quelque chose qui peut vous étonner, mais je me suis éclaté sur cette glace. C'est vrai que ça paraît impossible, mais voilà, je pense qu'il n'y a que les skieurs qui peuvent sentir ça, ou les patineurs, je sais pas, il faudrait demander à Brian Joubert, mais j'en sais rien. Mais on aime bien la glace, et quand on prend ça du bon côté, c'est extraordinaire. Seul un skieur de l'extrême, un seigneur de la vitesse, pouvait dompter la face. J'ai nommé Didier Cuche. C'est un pur plaisir pour moi de descendre, et même à l'arrivée, avant de savoir vraiment ce qui ressortirait de cette manche, pour moi, ça m'était presque égal. À 34 ans, le Suisse remporte son premier titre mondial devant l'Italien Phil et le Norvégien Svindal et se pose en grandissime favori pour la descente de samedi.